Pendant ce temps, à Hawaï. Chapitre 13, Terre promise. それでは 日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖ブライス・フェアチャイルド氏とは一体どのような人物なのでしょうか。もともとパレカナという教団はボランティア団体としての側面が強くてですね、それがブライス氏が代表となってから慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々全てのヨルベなき者によすがおうと訴えており、 今回の決断も核廃棄物というヨルベなきものを受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっかり英雄扱いだな。ああ、何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけどどんなに探してもネレ島なんてないね。図書館も当たってみたけどそこでもわからなかった。 島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。ネレ島が丸ごとブライスのブラックボックスってわけか。なんだよ、じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。 いや、トミーの言うことも一理ある。これ以上ネレ島を探しても拉致が開かねえかもな。一番まで。いや、探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくてネレ島に行く船を探す方が早いんじゃねえかな。船？廃棄物の埋蔵施設を建設するような島が自給自足で暮らしてるとは思えねえ。 島じゃ手に入らないものはこっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めばネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。だけどそれがどんな船でどこから出てるかまでは。そんなら目星はつくぜ。 この辺りでそれなりのサイズの船を止められるのはパワーストリート沿いのマリーナだけだ。よっしゃ、行ってみようぜ。だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。あんたたちじゃなくても興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって。ダチがマリーナで働いてんだ。 古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここで茜さんをかくまっちゃくれねえか。ブライスは茜さんのこともまだ狙ってるはずだ。おい一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつが茜さんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。 大丈夫だよ、トミー。そんな事にはならねえ。どうしてそう思う？富沢君の言うことはもっともだ。その婆さんを差し出せばここら一帯の支配が約束されるからな。なあ、でもあんたはそうしねえ。だってあんたブライスが嫌いだろ。 あんたは嫌いな奴への嫌がらせに全力出すタイプだ。違うか？<笑>よくわかってらっしゃる。茜さん、ちょっくら行ってきます。気をつけて。うっす。 茜さん。
前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか。そうか。親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ。気長にやりゃいい。かもな。ありがとうよ。Tommy a dit qu'on pouvait trouver cette marina quelque part sur Harbor Street. Allons voir quand on sera prêt. Au pif comme ça. Incroyable. Ah, c'est vrai qu'il y a toute la gentillesse et la confiance en soi. Rudy Jimon, ça aussi faut qu'on fasse. Parce qu'on a fait moult choses. Icario. Mais là, il y a tout ça à faire. On revolve. L'amitié. Laisse-moi voir un peu. Est-ce que... Je crois que c'est de l'intelligence qu'il me faut. Je peux pas... Est-ce que je peux débloquer de nouveaux jobs? Allons voir. Donc il manquait du charisme et des trucs. Yashaimase! Yoridori midori desu. Ça c'est bon. Ah, c'est de l'intelligence. Ok. On est 36. Oh là 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 là. Donc, commençons par ça, déjà. Faut qu'on augmente ceci. Allô. Yokoso. Qu'est-ce qui nous augmenterait? Célèbre du monde, why not? Les maths, ah mais ça on a déjà fait, histoire de... Oh. J'ai peur. Secret pour vous qui s'agit de géographie des périodes ou des grandes histoires. C'est pas mon point fort l'histoire, la géo. Beethoven est un compositeur allemand qui a vécu Quel est le nom donné à sa cinquième symphonie? Oui, je connais toutes les symphonies qui puissent exister dans ce monde, je ne sais pas. L'architecture baroque est très populaire en Europe occidentale à la fin du... deuxième siècle, au début du... parmi les monuments suivants, lesquels n'est pas du style baroque. C'est gothique, ça. Hein? Quel scientifique a inventé la dynamite? Ah, Hakon a consacré sa fortune à la création d'un prix de portée internationale dans son testament. Nobel. Donc pour les maths. Galilée est un physicien italien souvent considéré comme le père de la science moderne. Dans quel autre domaine... Attends, Galilée. C'était... Ah bon... J'ai peur quand même, hein. Voilà, on est passé 5. Oh, le sans faute! Let's go! Ouais, c'est gothique. Nobel, ça c'était bon. Ouais.
la laitière, la naissance de Vénus. J'avais un doute sur celui-là. Bon, parfait. On fera les autres, hein, mais... D'abord, le job. Je sais même pas quel level ils sont en termes de job. Yoridori midori deshu. Let's aroha. では次のポーズ。はい。おお。よっこらせっと。ほっ。あっ。うわ。あたたたたた。はい。これはどうです？よっほほだだだだだだ。え？はい。これなら。これはさすがに無理でしょ。はい。すっきりした。Une ninja. Il y en a vraiment pas d'autres? Je suis d'accord. Hein, leur garantie des yeux. Ah, j'ai rien. Ok. On a tout fait. Alors, 25. Donc toi tu l'as. Ah, je suis toujours pas haut. Je n'ai pas de gentillesse. Ah, il faudrait que j'augmente mon freelance. On va faire ça. Le héros aussi. C'est 25. C'est vrai que vos jobs classiques. 25, c'est bon. On n'est pas seul ami. Héritière, t'es que niveau 15. On va la remonter et après toi tu vas être ça. C'est stylé la tenue, c'est quoi là les autres? Héritage. Pour l'instant. Ah! Ouais, bon. Ça aussi, va falloir que je le fasse. Chat point nu. D'accord. Les clés. Biche. Il me faut du nouveau matos. Et du niveau 6 à peu près. Ça je l'ai où? Sport, non. Débutant. Peut-être débutant. Ou c'est de la D, ouais. Qui que c'est ça? La boutique de surf. Non. Magasin d'outils. Yes. Ah,
La clé à molette, ça va être bon. Nani. Oui, on faut recruter. Oh, arigato. Aloha. Parfait. Ça me coûte une blinde. Mais on va rentrer ouais dans ce moment où. Thank you. Il faut. Pas forcément pour le. Arme de luxe. Je suis pas sûr. Sport de danse. C'est un peu de la danse hein, de mémoire. L'héritière. Il y en a pas mal. C'était pas de toi. Thank you. Merci, au revoir. C'est pas du tout le bon. Toi mon ami. Nani. Asakura. Chiban, amène-toi à l'entrepôt derrière les quais quand tu auras le temps. J'attendrai là-bas. Encore à Sakura ? Je pensais que c'était la dernière fois. Peut-être qu'il veut une revanche. Eh, je vais juste lui demander en personne, autant que j'aille à l'entrepôt. Tant que j'ai du temps libre. Il était là. Oh, dis-moi que c'est là. Ah, ah. Parfait. On va le coup. Et le bâton de policier spécial. Et pour les autres, on va pas plus. Ah oui, ils vont vraiment. Ils vont tout. Parfait. Thank you very much. Ah oui non, je vais te faire un truc, je m'emballe. Je peux prendre une photo là. Là on se met là tous ensemble. Alors, toi. Pour commencer. UFO って何かの見間違いでは。カモメとか光っていたならドローンとかそういった可能性も。鶏を連れ去るドローンなんてないでしょ。私はっきり見たんです。あれは絶対にキャトルミューティレーションよ。キャトルってそんな大げさな映画の見過ぎでは。何何何の騒ぎ。あ、
カレンちゃん、警察の世話になるようなことしたんか？私は何もしてないわ。昨日の夜 UFO が出て、外で飼ってるうちの鶏を連れ去っていったの。だから警察に何とかしてもらおうと思って。おいおい、 UFO ってお前マジか？つか、キャトルミューティレーションって家畜が変死した状態のことだろ。連れてかれただけならそれはアブダクションって言うんじゃないの？ SF ネタやりたいならちゃんと調べておけよ。言い方なんかこの際どうだっていいの。ネタでもないし本当のことなんだから。っていうか、あなたたち全然信じてないでしょ。おまわりさん、お願いです。鶏のベッキーちゃんを連れて行った悪い UFO を探し出して捕まえてください。まあ、鶏は盗難届という形なら受理できるので、そこまで言うなら署に行って書いてください。ただ UFO を捕まえるっていうのはちょっとね。いっそ SF マニアの人に聞いた方が。何よそれ、結局誰も信じてくれてないじゃない。もういいです、自分で何とかしますから。なんだあいつ、勝手に切れて行っちまったよ。てか、お前信じる？ UFO の話。寝ぼけてただけなんじゃねえの？鶏もただ単に逃げただけとかそんなオチだろ。まあそんなもんだよな。ったく、人騒がせなやつだぜ。Un ovni qui enlève des les poules, hein? Ouais, bizarre. On va aller voir. Oh, c'est la femme qui disait avoir vu un ovni. Elle affirmait, mais même qu'il avait emporté une de ses poules. Je devrais peut-être lui parler. Ah, salut, t'as une minute? Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu ce que vous disiez à la police tout à l'heure à propos d'un ovni. Et maintenant, vous venez vous moquer de moi, vous aussi? Ah, pauvre Karen, la cinglée fan de SF. Peut-être le problème, c'est que tu t'appelles Karen, hein. Pardon. Ce n'est pas ce que je comptais dire. Il n'y avait pas un truc, là, avec des Karen qui disaient arrêter notre autre Karen? J'avoue que, normalement, je ne parlerai pas à quelqu'un qui parle si sérieusement d'extraterrestres, mais vous sembliez si sûr. On dirait que ma curiosité a été piquée. Ah, je vous jure que c'est vrai. J'ai tout vu. Un ovni géant est apparu dans mon jardin et a enlevé mon adorable petite poule. Ah, il n'y avait pas d'autre témoin. Il était, s'il était géant, quelqu'un d'autre l'a peut-être vu. Je ne crois pas. Ma maison est assez isolée. Il n'y a jamais personne dans le coin la nuit. Et l'ovni ne s'est allumé que brièvement. Brièvement. Alors que je comptais aller me coucher, j'ai entendu un caquement apeuré. Dans le jardin, puis tout s'est illuminé. En regardant les lumières, j'ai vu une soucoupe volante qui tournoyait. J'étais sous le choc. Tout à coup, il y a eu un grand bruit, ma poule s'est mise à flotter avant d'être aspirée à l'intérieur. Attends, puis que s'est-il passé? Les lumières se sont éteintes et l'ovni est parti. Wow. J'ai réussi à prendre une photo. Une photo de l'ovni? Il fallait le dire plus tôt. Ouais. Et pourquoi ne la montriez-vous pas aux autres? Ils vous croiront forcément alors. Vous voulez bien me la montrer? Ah, d'accord. Mais ne riez pas, ok? Ah. Hein? Et pourquoi est-ce que je rigolerais? Juste là. Non mais t'es sérieux? «
Vous devez comprendre que j'étais tellement bouleversé que par effraie que j'ai pris un selfie. Et... Attends, mais quoi? Oh, je suis dépité. Tu prends un selfie par réflexe, vous avez raté une opportunité en or. Ah, ça m'agace rien que de la regarder. Ah, vous comprenez? C'est pourquoi je ne voulais pas la leur montrer. Mais on peut quand même voir l'OVNI, non? Hein? Ouais, si on veut. Bah, techniquement. Ce n'est pas grave, si vous ne me croyez pas, je sais que personne ne me soutient là. Ah, qu'est-ce qui est... que vous comptez faire toute seule? Alors, que je suis allé voir où l'OVNI était parti, trouver des motifs étranges au sol. On appelle ça des cercles de culture. En surveillant cette clairière toute la nuit, je suis certaine que je la reverrai et je vais récupérer ma poule. Toute la nuit, vraiment? Eh bien, c'est-à-dire que il y a aussi un ranch à proximité. On y trouve toutes sortes d'animaux. Je ne veux pas que le bétail se fasse mutiler. Si je me poste là, j'arriverai peut-être à le protéger. Je ne sais pas si elle a vraiment vu un ovni ou pas. Et elle croit dur comme fer avoir vu quelque chose. Et elle a raison, on voit bien quelque chose sur la photo. Quel genre de personne serais-je si je la laissais quelqu'un se mettre en danger face à l'inconnu sans rien faire? Quelque chose ne va pas. Laissez-moi vous accompagner pour cette surveillance, d'accord? Hein? Je ne vais pas vous laisser seul dans un champ toute la nuit. En plus, je suis bien trop curieux. Vous êtes sûr? Écoutez, j'ai toujours voulu voir un ovni. Peut-être bien que vous êtes un fan de SF, vous aussi. Peut-être bien. Je m'appelle Ichiban, d'ailleurs. Enchanté. Ah bah c'est Karen. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, vous n'avez qu'à me joindre un peu plus tard. On se retrouvera pour la nuit. Compris. Mais si l'OVNI se pointe vraiment, quel est le plan? Je vais trouver toutes les armes que je peux. Donner tout ce que j'ai et l'anéantir. Votre présence me rassure, Kasuga. Grâce à vous, notre champ d'attaque sera plus important. Ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Une vraie américaine. Tout de suite, buter des gens avant de prendre contact et de parler. Et maintenant, excusez-moi. Mais je dois me préparer. Ah, pas de problème, à plus tard. Bah, des choses sont échappées toutes seules. Eh bien, voilà qui devrait être intéressant. Pendant la nuit, mais c'est pas la nuit. Sakula. Je peux pas faire. Je peux faire passer le temps. Non. Faut que je vérifie. C'est trop ou revol ou quoi. Oh le bingo. Complete da. Hey you. How? Genre t'es là? Et pourquoi t'es en? Je l'avais pas recruté. Yo. Ah yo Yasuda. Oh Kasuga. Ah bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec ces eaux ces seaux? Vous nettoyez les aquariums? Oh, ces bébés ne sont pas des outils de nettoyage, non. Oh, ce sont mes armes secrètes. Vous quoi? Oh, allons. N'importe quel aquarium au monde peut exposer un poisson. Tout ce qu'il y a de plus banal. Moi, j'ai des critères de divertissement plus exigeants. Je veux proposer du neuf. Quelque chose de stylé.
Il faut attirer les gens avec un truc qu'ils ne voudront pas rater. L'extravagance a toujours été la base de ce que je propose, Kasuga. Une parade choquante, vibrante, électrisante même. Électrisante, hein. Rien ne représente ma philosophie aussi bien que ces deux bestioles. Admirez, l'âme et l'une. Ah, c'est mes poissons-chats électriques. Électrisant, oui. Exactement. Ah, d'ailleurs, elles appartiennent à une espèce spéciale. Ah, c'est l'animal qui produit le plus importante décharge. Obtenir un permis a été infernal. Et maintenant que je les ai, le spectacle peut enfin commencer. Les éclats de ces bébés vont en mettre plein la vue au public. Waouh, en effet, ça a l'air d'en jeter. Oh, n'est-ce pas? Oh, j'ai un aquarium spécialement adapté pour elle. Oh, il n'y a rien de mieux qu'un petit espace sombre pour les charger. Oh, d'ailleurs, je ferais mieux de les installer. Je vous prie de m'excuser un moment. Oh, venez pour la première. Pas de problème. Faites attention à ne pas courir trop vite. Chut, ça se voit à 10 000 km, qu'est-ce qui va se passer? Un spectacle électrisant, hein. Attends une seconde. ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか。ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、 Merde. Il sait que les chances sont... Je sais que les chances sont infimes, mais je devrais prévenir Yasuda à propos des palpeuses. Où est-il passé? Je dois le rattraper. Non, mais il va pas vraiment faire ça. Mais non! Oh, 2, 3, 4! やべえ。よりにもよって電気ナマズがショベルカーのバッテリー入れるところに。ラムちゃん、電撃はやめてくれ。くそ、間に合わなかったか。 お願いです。あの暴走サメルカをなんとか止めて、中にいるラムちゃんとルンちゃんを助けてください。ちくしょう、結局こうなんのかよ。仕方ねえ、やるしかねえか。 Non mais JTT. Non mais le même le poisson il a fait un 180, il a fait 90 degrés je crois. Il est en mode couche. Oh secours. Oh ils sont tous les deux faibles à ça, parfait.
Ouais, ils sont éloignés, non? また強くなっちまった。また成長しちゃった。 大丈夫です。軽くハイになっていますが無事です。そっか、まあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ、マジヤバいんだって。 Merde, tout le monde nous a vu sur la plage cette fois, je fais quoi? Aquarium no electric show? Subarashii wa. Hein? ショベルカーの展示が始まったって聞いてたけど、これのためだったのか。なるほどね。皆様、お越しいただきありがとうございます。エキシビジョンセレモニーはお楽しみいただけましたでしょうか。後日、さらなるクオリティアップをした ミラクルアクアリウムがオープンよ。でですので、ぜひお立ち寄りください。行く行く。いい土産話ができそうだ。早くオープンしないかな。あの迫力のが見られるんなら何回でも見に行くよ。ささ、こちらです社長。我が社のショベルカーを目立つように展示しています。なかなかの存在感だと思いますよ。 うん。あれ？なんだかたくさん人がいますね。きっとみんな見に来てくれてるんですよ。いやー、頑張って展示した甲斐がありました。これで我が社の好感度と私の評価がさらに上がるな。<笑>何せ伝説の初期モデルですからね。やはりみんな気になって。ん？ なんじゃこりゃ。うちの伝説のシャベルカーが燃えとるじゃないか。今日は本当に助かりました。春日さんは命の恩人です。これはお礼の気持ちです。受け取ってください。 Ouais, merci. ハワイでも春日さんに助けてもらっちゃいましたね。こんなことになるなんて全くだぜ。あんた一歩間違えたら死んでたぞ。いやはや面目ない。新天地ということで私自身ちょっと浮かれてしまっていたのかもしれません。ショーがうまくいったらこういったイベントとは距離があるような貧しい地域の子供たちのもとへ行って 楽しませてあげたいなーって思ったりして、あれもこれもと考えていたら気が流行っていました。まずは
安全第一で環境を整えて目の前のことに集中しないといけませんよね。まあそうだね。だが横浜でサーカスやってた時にも言ってたが、あんたのいろいろな人を楽しませたいっていう熱い気持ちは嫌いじゃないぜ。ありがとうございます。監修は常に新しくてエキサイティングなものを求めています。既視感のある展示ではなく、私たちにしかできないユニークで新しいものをお魚さんたちと一緒に作ってみんなを興奮させたい。その思いはずっと変わりません。いいんじゃねえか。あんたと関わったショーはいつも刺激的だしな。そういう思いがあるならなおさら頑張らねえとな。はい、ふんどし締め直して頑張っていきましょう、春日さん。私たちと一緒にエキサイティングなショーを作ってみませんか。ちょっと待て、何を言って。さっきの電撃ショベルカーとの死闘は聴衆の心をぐっと掴んでいました。やはり春日さんは素晴らしいものを持っています。うちのお魚さんたちとタッグを組んだらもう最強です。世界を狙うことだって有名じゃない。どうです、ワクワクしてきたでしょ。さあさあ、ぜひ私たちと共にワールドワイドのてっぺんを取りに行こうじゃありませんか。いやマジでもうショーは勘弁してくれ。待ってくださいよ春日さん。J.P.P.